Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, c'est le ton meurtri et très grave que je m'adresse à vous ce jeudi 7 septembre 2020. Nos frères Jordan, Mike Jordan, notre frère Nyembu Mutsona et notre troisième frère. C'est vraiment le cœur meurtri que je l'ai appris lorsque nous savons que nous venons d'être libérés d'une des dictatures les plus féroces de la planète. Ali Bongo était un véritable tyran, un criminel sans cœur, quelqu'un qui n'hésitait pas à appauvrir, à affamer son peuple, mais surtout à le tuer. Allez demander à la maman de Renaldi, qui ne verra plus jamais son fils, parce que pris dans les crimes rituels, si elle a le cœur en joie. Allez demander à mon grand frère Jean-Rémy Yama, qui vient de passer plusieurs années, une fois de plus en prison, dans des conditions inhumaines, qui a perdu sa femme et n'a pas pu l'enterrer s'il est en joie. Allez demander à nos retraités, qui tirent le diable par la queue quotidiennement, s'ils sont en joie. Comment comprendre que nos vaillants militaires, nos soldats gabonais qui ont pris leur responsabilité de nous libérer d'un tel monstre puissent souffrir d'une quelconque animosité d'où qu'elle vienne. Est-il normal que des personnes aujourd'hui, au lieu de célébrer cette armée qui doit être portée en triomphe, tous les hommes en uniforme du Gabon doivent être mis au panthéon de notre pays, que certaines personnes trouvent le malin plaisir de vouloir aller déstabiliser ce qui est en train d'être fait. Il est encore très tôt, je vous le dis, très tôt, de nous mettre à dos ceux qui nous ont libérés. Éteignons nos querelles politiques. Depuis 60 ans, nous n'avons pas pu nous libérer du joug des Bongos, qui devenait de plus en plus oppressant. Moi-même, j'ai payé dans ma chair. J'ai passé 6 ans de ma vie dans des conditions inhumaines, dans une prison super saturée. Je connais donc plus que qui que ce soit le prix de la liberté. C'est pourquoi je me désolidarise totalement de cette action que j'ai apprise par les médias. Moi-même, j'ai été, au sortir de ma longue prison, candidat à la dernière élection présidentielle. J'ai volontairement retiré ma candidature pour enfin m'aligner derrière Barrou Chambrier, qui m'a fait l'honneur de devenir son directeur de campagne. Nous avons sillonné le Gabon et nous avons vu la misère dans laquelle croupissait notre peuple. Ensuite, Alternance 2023, dont je faisais partie, a consensuellement désigné le professeur Ondosa Albert, qui m'a également fait l'honneur d'être son directeur de campagne adjoint. J'ai été le directeur de campagne adjoint du professeur Albert Ondosa, qui a été élu. Mais comme c'est une élection truquée, totalement faussée, et les résultats qui ont été donnés, donnaient largement Ali Bongo vainqueur. Le peuple, mais surtout son armée, n'avait que deux choix. Ou valider cette imposture, et le peuple devait sortir dans la rue et se faire massacrer. Et je vous signale qu'en 2016, je faisais partie du directoire de campagne de Jean Ping. J'étais la nuit du 31 août 2016 au QG de Jean Ping, lorsque Ali Bongo nous a fait sauvagement massacrer. Un bombardement inédit. Il y a eu plusieurs dizaines de morts, voire des centaines de morts. Aujourd'hui, nous avons plusieurs familles qui n'ont pas pu faire le deuil parce qu'ils n'ont pas retrouvé les cadavres de leurs parents. Et ensuite, nous connaissons ce qui s'est passé. Alors comment comprendre qu'aujourd'hui, mon frère Mike Jordan, aujourd'hui mon frère Terence Nyembu Mutsona, puisse être porteur d'une lettre signée
du président Ndossa pour que la Guinée équatoriale intervienne. Mes frères, êtes-vous devenus ces sorciers perfides? Ces sorciers perfides dont parle notre hymne national. Non, vous ne l'êtes pas. Je condamne fermement cette action et je réattache mon engagement total, comme je l'ai dit il y a une semaine à Medzan, lorsque l'armée m'a sécurisé et m'a ramené. Au village Medzan, j'avais demandé dans le Wellington à la population d'offrir tout ce qu'elle avait, bananes, manioc, riz, à nos militaires. Et je réitère aujourd'hui, je lance cet appel solennel au peuple gabonais. Où que tu te trouves, cher compatriote, si tu as un régime de bananes, donne-le spontanément à un militaire. Si tu as un paquet de manioc, donne-le spontanément à un militaire. Si tu as 1000 francs, va payer un kilo de riz, tu le donnes à un militaire, même si tu ne le connais pas. Dans la rue, faites ce geste de solidarité, mais surtout de gratitude envers notre armée qui nous a libérés d'un des plus grands dictateurs du monde. Je vous demande d'être unis derrière notre armée. Nous devons tenir parce que les perfides sont en train de se préparer dans l'ombre. Beaucoup de choses se préparent. Nous devons donc être les garants de l'intégrité territoriale de notre pays. Où que tu te trouves, abandonne cette histoire de quoi que ce soit. Laissons l'armée gabonaise faire sa transition. Elle nous mettra sur les rails pour que nous redémarrions une nouvelle vie. Ce sont les messes basses. Ceux qui vont être nommés seront là pour travailler pour le peuple et le pays, le Gabon. Ceux qui ne le seront pas doivent absolument soutenir cette armée pour que le général Brice Oligui Nguema, qui a été coopté à l'unanimité par ses frères d'armes, puisse nous mener dans une paix, dans des perspectives qui remettront notre pays debout. Par la même occasion, me désolidarisant de l'acte posé par mes frères dont je faisais partie, l'alternance 2023, je quitte volontairement ce groupe. Je ne fais plus partie, à l'instant où je vous parle, l'alternance 2023. Je reprends ma totale liberté de parole, d'expression, parce que moi, Bertrand Zibabore, mon oui reste oui. Mon non est un non. Quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, je le dis ouvertement. Notre président actuel de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, est la dernière personne qu'Ali Bongo Ondimba avait envoyée quand j'étais en prison. 2 mois avant ma sortie, Oligui était venu me voir pour me faire les propositions qu'Ali Bongo m'envoyait et j'avais refusé. Totalement refusé, je préférais mourir. Mais aujourd'hui, je soutiens le CTRI avec la dernière énergie. Pas pour attendre un poste, pas pour que je sois nommé, mais parce que je suis Gabonais. Et parce que comme tous les Gabonais, j'ai souffert de la malgouvernance criminelle d'Ali Bongo Ondimba. Donc celui qui vient de nous libérer de ce monstre, nous devons, comme un seul homme, nous mettre derrière lui. S'il y avait des postes à prendre, j'aurais pu prendre ce poste en 2022, lorsqu'Oligui Ali Bongo l'avait envoyé. Mais si Oligui décide que je fasse partie, ou que je ne fasse pas partie, libre choix à lui, mais je ne suis en train de rien demander, que de défendre ma patrie. J'aime trop ce pays, comme vous tous d'ailleurs. Et si vous aimez ce pays, faites ce geste de solidarité envers nos hommes armés, envers nos militaires, nos policiers, la sécurité pénitentiaire, la gendarmerie, les eaux et forêts. Lorsque vous rencontrerez un homme de corps habillé, offrez-lui 1 kilo de riz. C'est 500, c'est 700, c'est 1000 francs CFA. C'est énorme. Spontanément,
comme cela s'est fait dans plusieurs autres pays qui ont été libérés, nous devons célébrer nos militaires. Par ces petits gestes, nous devons leur apporter notre amour, notre estime, mais surtout l'amour de notre pays, le Gabon. Cessons toutes ces messes basses inutiles. En 60 ans, ce que certains pensent que c'est facile aujourd'hui, parce que les militaires nous ont sécurisés et nous ont libérés, nous n'avons pas pu le faire. Plusieurs de nos compatriotes ont perdu leur vie. Ils ne reviendront plus voir ce qui se fait aujourd'hui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, solennellement, je réattache ma totale adhésion au CTRI. C'est la voie que Dieu nous a donnée. Moi, je suis catholique pratiquant et je crois en la divinité et je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que ils sont des oints de Dieu pour libérer notre pays. Si cette armée n'avait pas pris le pouvoir, je ne serais pas en train de vous faire cette vidéo. Je serais peut-être mort parce que la dernière personne qu'Ali Bongo avait décidé avec son épouse criminelle et son fils narcotrafiquant et drogué, Noureddin, de tuer, c'était Bertrand Zibi Abégué. J'étais en fuite. Peut-être que je n'aurais pas survécu ou que j'aurais vécu. Et plusieurs d'entre vous ne seraient peut-être pas assis confortablement dans leur salon aujourd'hui, seraient peut-être morts. Parce que ce qu'Ali avait prévu en 2023, il disait qu'il devait tuer deux fois plus qu'en 2016. Si en 2016 il y a eu des centaines de morts, peut-être qu'en 2023, Ali aurait tué des milliers de Gabonais. Il avait coupé Internet. Il avait coupé les médias internationaux. Il avait mis le pays sous embargo. Donc il devait tuer un maximum de Gabonais sans que personne ne vienne à notre secours. Notre armée nous a libérés. Les militaires nous ont libérés. Ne les exposons pas. Au contraire, donnons-leur notre amour. Par ce geste de solidarité, toi qui me regardes, si tu es vraiment Gabonais et que tu aimes ce Gabonais, va chez le boutiquier d'à côté, paye un sachet de riz, va dans la rue, remets-le à un policier, à un militaire, à un gendarme. Toi qui es à Nzenzele, toi qui es à Bolosoville, toi qui es à Bongoville, toi qui es à ta plantation, si tu coupes deux régimes de bananes, donne un régime de bananes à un gendarme, à un policier, à un militaire. Toi, ma mère, qui est en train de faire le manioc, toi qui vends le manioc, toi chez qui je paye mon manioc au pont d'Akébé, sacrifie un manioc ou deux maniocs, donne-le à un militaire. C'est ça la solidarité que nous attendons. C'est ça le vert, jaune, bleu. C'est ça le Gabon qui gagne. Et non, essayez de le déstabiliser. L'ennemi nous guette, mais soyons solidaires et nous vaincrons. C'est pourquoi j'ai tenu solennellement à vous faire cette vidéo pour, un, réaffirmer mon attachement total à notre armée qui nous a libérés d'un des pires criminels de l'humanité, deux, de vous annoncer officiellement mon retrait total d'alternance 2023, je n'en fais plus partie. Bertrand Zibi retrouve son indépendance totale. Mon oui est un oui, mon non est un non et j'ai payé dans ma chair doublement ce non. Que j'avais dit à Ali Bongo, il m'a privé de tout, il a voulu me tuer, il continue de vouloir me tuer. Donc le seul rempart que nous avons aujourd'hui, c'est notre armée. J'en suis tellement fier que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps lorsque j'ai appris que cette armée nous avait finalement libérés. Je suis votre frère, Bertrand Zibaba, mon estabizan Yabouvenga, mon gonesabwa Yamou, affectueusement appelé par vous, le Nyamoro, l'Ivunda, l'Ondo Baba, l'Onjin, l'As des As, le maillot des maillots, c'est moi votre frère. Et je vous dis, nous devons, comme un seul homme, nous mettre derrière nos militaires. Vive le Gabon, vive son armée éternelle, vive le CTRI, pour que vive notre Gabon à jamais.